in hartje Parijs, aan de voet van de kerk Saint-Germain-des-Prés. Hier woont en werkt Frédéric Lenoir, auteur van het boek De Filosofie van Christus. Lenoir is dan ook filosoof, maar ook godsdiensthistoricus, directeur van het bekende tijdschrift Le Monde des Religions en auteur van een dertigtal boeken. Hij heeft ons uitgenodigd op zijn appartement in Parijs dat hij heeft ingericht in Renaissance-stijl. Ik ben benieuwd. Vous étiez un élève turbulent, hein? Mais vous lisiez les dialogues de Platon à l'âge de 14-15 ans. Comment c'est possible? Parce qu'au fond, je pense que je suis un enfant qui s'est toujours posé beaucoup de questions depuis petit sur qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Est-ce que c'est le hasard qui nous a mis sur Terre ou est-ce qu'il n'y a pas de hasard? Est-ce qu'on a un destin personnel? Est-ce qu'on est libre? Qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, je me posais toutes ces questions. Ce n'est pas à l'école qu'on répond à ces questions essentielles. Donc, je m'ennuyais à l'école. À part quelques cours de littérature où j'aimais lire des livres, des romans, j'ai aimé très tôt lire des romans, mais le reste, la grammaire, les mathématiques, tout ça m'ennuyait. C'est vrai que dès que j'ai découvert la philosophie, et notamment la philosophie grecque, ça répondait à toutes mes questions. Et le Socrate pose la question du sens de la vie, de qu'est-ce qu'une vie réussie, de l'âme, de l'immortalité. Et tout ça répondait à des questions et ça a été le point de départ, je dirais, parce que c'était un intérêt personnel déjà présent, de toute une quête ensuite spirituelle. Où est-ce que votre quête spirituelle personnelle vous a conduit? Alors en fait, toutes ces interrogations m'ont d'abord conduit à comprendre que j'avais besoin d'une pratique spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se poser des questions, il ne suffit pas de lire des livres, il faut que ça s'incarne dans la vie. Et j'avais besoin, parce que j'étais aussi dans des difficultés même psychologiques, des conflits intérieurs, j'avais une certaine tristesse, j'avais besoin de travailler sur moi, j'avais besoin de faire un travail pour progresser humainement, psychologiquement, spirituellement. Et donc c'est peut-être le bouddhisme, le premier ancrage que j'ai eu, pas tout simplement parce que j'ai rencontré des lamas tibétains qui pratiquaient la méditation et que j'ai appris à méditer. Et la méditation m'a fait beaucoup de bien. Mais alors, vous avez été moine dans une communauté chrétienne aussi? Oui. Alors c'est parce qu'il y a eu un événement, si vous voulez, particulier, qui a été la découverte des évangiles, que j'ai lu pour la première fois à l'âge de 19 ans. Je m'intéressais pas beaucoup au monothéisme, parce que l'Orient me parlait comme la philosophie grecque, comme une sagesse pratique. Les religions, l'idée d'un Dieu révélé qui dit une vérité à un peuple, etc., je n'y croyais pas. Je me disais, bon, s'il existe un principe divin, il est impersonnel, et il se révèle de mille manières, mais il n'y a pas une révélation à un endroit. Et tout en pensant ça de manière très forte, un jour je me suis quand même dit, il faut que je vois ce que c'est que la Bible. La Bible ne m'a pas passionné, mais les évangiles, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte d'abord que la parole de Jésus était d'une modernité incroyable et quelqu'un qui dit « aimez vos ennemis, il y a une égalité entre tous les êtres humains, etc. et tout », je me suis dit « mais ce message-là, mais même l'Église l'a oublié », c'est-à-dire que c'est un message qui reste provocateur par rapport aux religions, y compris chrétiennes. Il y a vraiment une dimension des évangiles qui est très différente de ce que je rejetais dans les institutions religieuses, notamment chrétiennes, où je trouvais que le pouvoir était trop important, que la place de la hiérarchie me semblait très éloignée des préoccupations spirituelles. On ne m'avait pas appris dans mon éducation chrétienne à prier ou à méditer ou à faire un travail pratique, si vous voulez. C'était des croyances, finalement. Il y avait un dogme, il fallait croire ou pas. J'avais eu des cours de catéchisme. Alors que dans le bouddhisme et dans l'Orient, on m'a proposé un chemin spirituel. Et puis je découvre que les évangiles, c'est un chemin spirituel, ce sont des valeurs très fortes, c'est une parole qui me percute et qui me touche au fond de mon cœur. Et ça, ça a été la révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, au fond, quand j'ai lu les sutras du Bouddha, j'étais pas bouleversé, j'étais intéressé. Mais lorsque j'ai lu les évangiles, mon cœur a été touché. Et il a été touché par la personne du Christ. Et donc le grand basculement dans ma vie spirituelle, c'est que j'ai découvert que le christianisme, ce n'était pas simplement une théologie, ce n'était pas simplement un discours, c'était une personne.
et que être chrétien, c'est être relié au Christ. Et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 19 ans, quand j'ai lu les évangiles pour la première fois, j'ai pleuré pendant 2 heures, et je me suis dit, le Christ est là, il est présent, il est vivant. Et j'ai eu cette certitude qui ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire cette présence ne m'a jamais quitté. Il y a des moments où je ne ressens plus de la même manière, mais je dialogue toujours avec le Christ, et donc je dirais que le Christ est devenu mon maître spirituel. Et à partir de là, j'ai fait un cheminement où j'étais tellement bouleversé par cette rencontre que j'ai eu envie de le découvrir, de creuser cette foi. Et j'ai été à Fribourg, en Suisse, où j'ai fait des études de philosophie, donc j'ai continué mes études de philosophie, tout en suivant les enseignements d'un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, qui est un grand spirituel, et qui notamment est un spécialiste de l'évangile de Saint-Jean. Et moi, c'est l'évangile qui m'avait bouleversé. Et puis, en voyant tous ces jeunes moines religieux qui vivaient autour de lui, il avait fondé une communauté qui vivait sensiblement selon la... très proche de la règle dominicaine, hein, où il y avait à la fois une vie de prière et une vie d'études, ben, j'ai eu envie de vivre avec eux. Et donc, pendant 3 ans, j'ai vécu au milieu d'eux. Je me suis posé la question d'une vie monastique durable, et puis je me suis rendu compte, au fil du temps, que autant la prière me convenait, c'est-à-dire la sobriété, la vie simple, la pauvreté, le fait d'être dans une vie contemplative, le fait d'étudier me convenait, mais qu'il y avait 2 choses qui n'étaient pas faites pour moi. La première, c'est que j'avais besoin d'une vie affective. Donc, j'avais besoin de rencontrer une femme, j'avais déjà eu des expériences affectives, et je ne pouvais pas vivre sans présence féminine, sans vie sexuelle, sans vie affective. Donc, je savais que c'était à long terme, ça aurait été une souffrance qui aurait posé trop de problèmes. Et la deuxième chose, c'est que plus le temps passait, plus je m'apercevais que j'étouffais dans les certitudes dogmatiques. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de rester, autant reprendre ma liberté de penser. Et donc c'est ce que j'ai fait, ce qui fait qu'aujourd'hui je me définis comme un libre penseur chrétien. Et dans l'évangile de Saint Jean, je suis tombé directement en ouvrant sur le dialogue de Jésus et de la femme samaritaine. Et ce que j'ai lu là, ça m'a bouleversé à 2 niveaux. D'abord, quand on voit que cette femme a soif de quelque chose et que Jésus lui dit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive. » Et là, j'ai ressenti un choc très profond. Je sentais que Jésus répondait à une soif qui était ma soif. La soif de la femme samaritaine, c'était la mienne. C'était cette quête du cœur, cette quête de l'intelligence. Et je ressentais que Jésus répondait à la soif. Et dans la manière dont les mots étaient dits « Si tu savais le don de Dieu », bon, après, c'est la grâce, hein. Je pense que j'ai été touché par la grâce et ces mots ont touché mon cœur directement. Donc, j'étais très, très ébranlé, très ému. Et puis, juste après, la femme samaritaine lui demande où est-ce qu'il faut adorer Dieu. Est-ce que c'est sur la montagne de Samarie, comme le font les Samaritains, ou est-ce que c'est dans le temple de Jérusalem, comme le font les Juifs? Elle pose la question que je me posais, c'est-à-dire, où est la religion vraie? Quel est le vrai culte? Et Jésus lui répond, ni sur la montagne, ni au temple de Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et là, j'ai pleuré. Ça a été le bouleversement. Je me suis dit, cet homme-là est en train de dire, peu importe que vous soyez juif, chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe que vous priez dans un temple, dans une pagode, dans une synagogue ou dans une église, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de rencontrer Dieu à l'intérieur de soi, en esprit, en vérité. Et ça, ça rejoint la quête philosophique, ça rejoint tout. C'est-à-dire tout être qui va en vérité chercher la vérité à l'intérieur de soi, dans ce temple de l'esprit, dans ce temple intérieur qui est l'esprit, il rencontre Dieu, même s'il ne connaît pas Dieu, même si Dieu n'est pas nommé. Et donc, c'est dans la conscience humaine que se fait véritablement la rencontre avec le divin, avec l'absolu. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Il est juif, il est né juif, il est mort juif. Mais il est venu apporter une spiritualité universelle qu'on peut vivre partout, qu'on soit religieux ou non, dans l'intériorité. Et ça, pour moi, c'était la transcendance par rapport à tous les étouffements qu'on pouvait vivre dans toutes les religions. C'est un éclatement des dogmes, c'est un éclatement des lieux, de l'espace sacré. Ça veut dire, le seul espace sacré, c'est le cœur humain. Et c'est là qu'on rencontre Dieu. Ben, ça a été une révélation et je vis toujours de ça. Vous avez défini alors la spiritualité comme une rencontre personnelle. Oui, une expérience personnelle. Une expérience. Est-ce que nous nécessitons l'Église, les prêtres, tout cela?
Alors, je dirais que ça dépend des gens. Je dirais que ça dépend des gens. Il faut être tolérant. Il y a des gens qui ont besoin de tout ça. Il y a des gens qui ont besoin de sacrements, d'églises, de communautés, de paroisses, de lieux de partage, de rituels, et d'autres beaucoup moins. Et je dirais qu'il y a des sensibilités différentes. Je n'ai jamais dit qu'on n'a plus besoin de l'Église. C'est-à-dire que je dis que l'Église a joué et continue de jouer un rôle fondamental, c'est de continuer à parler des évangiles. C'est pour moi son seul intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt vraiment, je dirais, irréductible de l'Église, elle peut avoir des intérêts secondaires, comme je disais, les sacrements, etc. Son intérêt irréductible, c'est de continuer d'enseigner, de parler de Jésus et des valeurs de l'Évangile et du message de Jésus. Et ça, je crois que c'est son rôle jusqu'à la fin des temps. J'en suis convaincu. Et s'il n'y avait pas d'Église, de hiérarchie, d'institution, je ne serais peut-être pas là pour vous parler de Jésus. Je ne l'aurais peut-être jamais rencontré. Parce qu'il a bien fallu qu'il y ait des gens qui écrivent les évangiles, qu'il y ait des gens qui les transmettent, qu'il y ait des gens qui les conservent, même si ces évangiles les contredisent très souvent. Vous savez, il y a un philosophe protestant qui disait, un théologien protestant qui disait « L'Église a la lourde charge d'annoncer un message qui ne cesse de la critiquer. » Oui. C'est un peu vrai. Et elle le fait quand même. Oui. Et c'est bien. Alors maintenant, la thèse que je défends, c'est de dire au fond... le message de Jésus est un message universel qui n'a pas forcément besoin, pour être vécu, d'institutions, d'églises et de croyances. Lorsqu'il dit que aimer Dieu, c'est aimer son prochain, qu'on sera jugé sur la qualité d'amour qu'on a eu pour celui que nous ne connaissons pas et à qui nous allons donner un verre d'eau, un malade que nous allons visiter, une personne en souffrance que nous allons aider, c'est au fond dire que la seule chose qui compte, c'est l'amour, et un amour désintéressé. Et c'est pour ça que ce message-là, qui est de respect absolu de la personne humaine, il est sorti du contexte religieux. Il a dépassé, je dirais, le cadre de la religion, et il est revenu à la Renaissance, à un moment donné où l'Église était très puissante, où elle était extrêmement d'ailleurs tellement puissante qu'elle était tellement loin des valeurs évangéliques, c'est les Borgia, hein, je veux dire, c'est vraiment des... Rome donnait l'exemple de l'antithèse de l'Évangile. Que finalement, les penseurs humanistes de la Renaissance, Montaigne, Pic de la Mirandole, Erasme, etc., se sont inspirés des Évangiles pour fonder un humanisme à la fois philosophique et spirituel, fondé sur les valeurs évangéliques, fondé aussi sur l'humanisme grec qu'on commençait à découvrir grâce aux traductions notamment de Platon, d'Aristote, de Plotin. Et ça a été la synthèse de cet humanisme grec et de la philosophie des évangiles, du message du Christ, qui a donné naissance progressivement aux Lumières et aux droits de l'homme. Et donc ce que je constate historiquement, c'est que les droits de l'homme, le respect absolu de la personne humaine, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité de tous les êtres humains, l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un message qui est né en terre chrétienne. Ce n'est pas un message qui est né dans l'Empire ottoman, ce n'est pas un message qui est né en Chine, c'est un message qui est né en terre chrétienne dans un monde qui s'est débarrassé des institutions religieuses, qui avaient le plus souvent s'étaient détournées de ce message-là, et qui ont gardé la substance du message des évangiles, c'est-à-dire le respect de la personne humaine. Et ce n'est pas un hasard si les droits de l'homme sont nés dans un terreau chrétien, même si ensuite on s'est débarrassé des institutions, des dogmes, des croyances qui ont porté ce message-là. Je pense aux persécutions des chrétiens aujourd'hui en Irak, au Nigeria, en Chine. Il y a quelques années, j'ai interviewé Callistus Ware, l'évêque anglais orthodoxe, qui disait qu'il y a beaucoup plus de martyrs chrétiens au XXe siècle qu'autrefois à Rome. Oui, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il y a des martyrs chrétiens aujourd'hui? Parce qu'on est dans une logique identitaire et communautariste, aussi chez les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, la plupart des pays où les chrétiens sont persécutés, c'est essentiellement des pays musulmans et un peu des dictatures communistes. Bon. C'est des cas, dans le cas des dictatures communistes, le problème religieux n'est pas en jeu, c'est simplement que l'État veut tout contrôler. Dans le cas des problèmes musulmans, des pays musulmans, c'est simplement qu'on est devant, depuis quelques décennies, une recrudescence d'une religion musulmane identitaire qui est en lien avec une recrudescence d'une religion juive de plus en plus orthodoxe identitaire, avec en plus le problème politique d'Israël, qui est en lien avec le raidissement
aussi qu'on voit dans le christianisme. Je le disais, il y a un retour identitaire très fort chez les chrétiens. Mais moi, je connais très bien le monde oriental. Très souvent, les chrétiens orientaux ont beaucoup de mépris pour leurs voisins musulmans ou juifs. Ils ne s'entendent plus entre eux, si vous voulez, parce que chacun se replie sur soi. Et donc, on arrive à un conflit profond dans lequel on ne peut plus dialoguer les uns avec les autres. Et quand vous êtes une minorité dans une majorité, d'une autre religion, vous subissez une oppression qui est dramatique, mais qui est la logique qui dépasse tout ça, qui est que chacun se replie sur lui-même. Et c'est ça qui est dramatique. Oui, oui, mais j'ai eu un mail d'une sœur de Nigeria, parce que je l'ai interviewée il y a un an, et elle dit que, justement, elle vit au nord du Nigeria, qu'elle essaie de maintenir le dialogue, de s'ouvrir, de éduquer les enfants. Et dans le mail, elle me disait, nous sommes échappés à la mort parce qu'il y a toute... Oui, bien sûr, de fanatisme en face. Oui, oui, donc c'est ça aussi le Mais problème. Mais vous savez, être chrétien, pour moi... c'est aller jusqu'au bout de cette vérité-là, cette vérité d'ouverture, de dialogue, de tolérance, de compréhension, quitte à mourir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si on est vraiment chrétien, accepter le martyr, Jésus, et accepter la croix. Oui, mais c'est facile pour le dire bien sûr, ici à Paris ou en Belgique. Bien sûr, c'est facile pour nous, mais c'est ça la vérité de l'Évangile. Oui, oui. Et donc je dis, ces femmes-là sont des vraies chrétiennes. Oui. Parce qu'elles vivent la vérité de l'Évangile jusqu'au à prendre un risque, si vous voulez, alors que les chrétiens qui se disent, moi, l'Évangile, c'est trop compliqué, ce qui compte pour moi, c'est d'affirmer mon identité culturelle, identitaire chrétienne, quitte à être violent ou méprisant vis-à-vis de mes co-religionnaires, des autres religions autour de moi, d'une certaine manière, ils vont se détourner du message profond de l'Évangile, mais ils ne se mettent pas non plus à l'abri d'être trucidés par des hordes fanatiques en face d'eux. Donc de toute façon, le risque, il est là. Quand vous êtes une minorité au sein d'une majorité hostile, le risque, il est là. Mais autant vivre jusqu'au bout des valeurs qui sont les nôtres, autant vivre jusqu'au bout de la foi. Ou alors, si on ne veut pas vivre ça, il faut émigrer. À ce moment-là, il faut changer de pays si on ne veut pas vivre dans un monde risqué. Mmh. Je suis d'accord avec vous, c'est un message très exigeant. Mais que si les chrétiens aujourd'hui renoncent à ça, disent « ben non, moi je préfère fuir ou je préfère être violent, répondre à la violence par la violence », c'est ça le problème. Mmh. Répondre à la violence par la violence, ne pas pardonner. À ce moment-là, je dirais que le christianisme perd tout son sens et tout son sel. Mmh. Ça devient simplement une culture parmi d'autres, ça devient une communauté humaine parmi d'autres, et il a perdu tout son côté subversif, qui est de dépasser la réponse œil pour œil, dent pour dent. Le cœur du message chrétien, c'est aimer ses ennemis. C'est ne pas répondre à la violence par la violence, c'est pardonner. Voilà le cœur du message chrétien. La théologie de la libération est née au sein du christianisme. Un tel concept, est-ce qu'il existe dans le bouddhisme ou pas? Alors, la théologie de la libération, c'est complexe. Parce que vous avez à la fois la théorie qui est de dire l'égalité, la justice sociale, c'est totalement le message évangélique. Mais après, la mise en œuvre peut être utilisée avec des concepts marxistes qui peuvent complètement le dévier. C'est pour ça qu'il y a un discernement, et je pense que ça posait question, la théologie de la libération. Il faut la justice sociale, oui, par quels outils? Est-ce que c'est une mise en œuvre politique ou spirituelle? Vous voyez, là, il y a un discernement à avoir. Maintenant, la justice sociale, oui, c'est le cœur du message des évangiles. Donc là, je pense que c'est un message extrêmement profond qui ne s'est pas développé dans les religions orientales. Et là, il faut dire les choses comme elles sont. Le christianisme est une religion qui a beaucoup plus développé la notion de justice sociale que l'Orient. Pourquoi? Parce que en Orient, il y a une croyance fondamentale dans le karma. Et on pense que si on est pauvre, c'est pour des raisons qu'on a commis, des actes qu'on a commis dans des vies antérieures, et que ce n'est pas important d'être pauvre ou d'être riche. Ce qui est important, c'est la libération intérieure. C'est-à-dire, c'est le chemin spirituel. Et donc, la compassion ou l'amour en Orient, c'est aider les êtres à s'éveiller, à faire un chemin spirituel dans lequel ils sortent de l'ignorance, mais qu'ils soient
pauvre, riche, de telle caste, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que le Bouddha d'ailleurs dit les castes n'ont aucune importance, on peut être brahman ou hors caste et atteindre l'éveil. Ça n'a aucune importance. Et il a été d'ailleurs un peu combattu par les tenants de l'hindouisme traditionnel, qui considèrent qu'il vaut mieux être brahman. Oui, pour atteindre... oui. Mais on va dire que la spiritualité orientale, dans sa profondeur, elle considère que finalement, être riche ou pauvre, être orphelin ou pas, ça n'a pas d'importance. Alors que dans le message chrétien, il y a ce passage très fort où Jésus dit « Allez aider les autres ». Et donc, c'est parce que vous aurez visité les prisonniers, c'est parce que vous aurez aidé ceux qui souffrent dans leur corps, et pas simplement dans leur âme, que vous serez chrétien, que vous serez mes disciples. Et donc Jésus engage un amour concret qui implique de s'occuper pas seulement des âmes, mais aussi des corps, mais aussi de la souffrance physique, mais aussi des prisonniers, des malades, etc. Et donc c'est pour ça que le christianisme a développé une charité active, qui a fait des orphelinats, qui a fait des hôpitaux, qui a fait des hospices pour les malades, etc., qu'il n'y a pas eu en Orient. Nous avons commencé l'interview avec les dialogues de Platon et Plotin. Est-ce que vous les lisez encore, Platon, non. Plotin non. Je ne lis plus beaucoup les philosophes qui m'ont beaucoup nourri quand j'étais adolescent ou quand j'ai fait mes études de philosophie, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'idées, de concepts que j'ai compris, si vous voulez. Une fois qu'on les a intégrés, il n'y a pas besoin de les relire. Ce sont des concepts. Par contre, je continue de lire les évangiles. Parce que la parole du Christ, ce n'est pas qu'un concept. Ça me met en lien avec une personne vivante. Et c'est toute la différence. Mais alors, vous connaissez toutes les histoires des évangiles, alors pourquoi les lire de nouveau ? Non, c'est que de temps en temps, de relire une parole me remet en présence, si vous voulez, du Christ d'une manière différente. Et le contact des évangiles, ça ne me fait plus évoluer conceptuellement. C'est-à-dire que ce n'est plus une recherche de concept. C'est simplement me mettre en lien avec une parole vivante, comme si on relisait une lettre d'un ami qu'on aime. Imaginez que vous avez reçu une lettre d'un être que vous aimez, vous pouvez la relire de temps en temps. Et vous connaissez par cœur les mots, mais quand vous relisez la lettre, ça vous met dans une présence. C'est beau, oui. Je n'avais pas... C'est une image. Je voulais poser une question encore sur l'oracle de la Luna. C'est un roman de vous que j'ai lu d'une traite. Et le protagoniste Giovanni, il peut se sauver de la mort s'il renonce à sa femme, mais il ne le fait pas. Alors l'amour vaut-il la peine de la mort ? Compliqué ça. C'est vrai que dans mon roman, ce que j'ai voulu montrer à la fin, c'est un peu christique. C'est-à-dire qu'on pourrait sauver sa peau en renonçant à la vérité. La vérité d'une relation, la vérité d'une parole, la vérité d'un engagement, la vérité d'une conviction. Et le Christ n'a pas sauvé sa peau, Socrate n'a pas sauvé sa peau. Ils ont été l'un et l'autre au bout d'une vérité, et mon héros ne sauve pas sa peau. Parce que il faudrait qu'il renonce à la femme qu'il aime pour aller avec une femme qu'il n'aime plus. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est qu'au fond, la transformation spirituelle de sa vie fait qu'il est dans un état de conscience dans lequel, d'une certaine manière, la vérité est le plus important de tout. Et pas simplement son égoïsme, son désir de survivre, de maintenir ses liens avec ceux qui sont autour de lui. Il ne peut pas trahir sa vérité intérieure. C'est ça que j'ai voulu montrer. Oui, c'était... C'est plutôt ça, c'est que la vérité est au-dessus de tout. La vérité intérieure d'un être est au-dessus de tout. Et qu'il y a des gens qui vont se trahir eux-mêmes, renoncer à leur vérité intérieure pour survivre. Il y a des gens qui ne le feront jamais. Moi, je ne sais pas ce que je ferais. Mon héros dans mes romans, il fait ça. Ça ne veut pas dire que je le ferais. Si j'étais confronté à des situations extrêmes, je n'en sais rien. Mais j'aimerais bien, si j'étais confronté à une situation extrême, ne jamais trahir ma vérité intérieure. Une dernière question. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin du christianisme ? Ça dépend ce qu'on entend par christianisme. Je pense qu'on est arrivé ou qu'on arrive à l'épuisement d'un certain christianisme historique qui est celui de Constantin.
qui est celui d'un christianisme politique, d'un christianisme culturel, d'un christianisme qui tient la société, si vous voulez. Ça, je crois qu'on est à l'épuisement de ça. Mais on n'est pas du tout à l'épuisement et à la fin du message des évangiles. Je pense même qu'on commence vraiment à les découvrir. C'est-à-dire que les premiers chrétiens ont vécu de l'émerveillement des évangiles, ils ont donné leur vie d'ailleurs pour ça. Et puis après, l'évangile a été un petit peu étouffé, a perdu son sel dans la chrétienté, c'est-à-dire ce monde politique où le christianisme domine la société. Et puis depuis que la société s'est émancipée du christianisme en tant que mode de gouvernance sociale, je pense que c'est une chance pour redécouvrir l'évangile, sa fraîcheur, son côté révolutionnaire, qui nous dérange en permanence. Ça dérange l'esprit humain. Ça, comme dit Kierkegaard, le christianisme, ça a été la tentative des hommes de faire retomber le message des évangiles sur ses pattes. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre l'évangile humain, si vous voulez, de le rendre acceptable, de le rendre mondain. Et ça, c'est l'effort de la chrétienté, du christianisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut redécouvrir le côté qui nous dérange en permanence dans le message des évangiles. Merci bien, Frédéric Lenoir, pour cet entretien. Merci à vous.